Les achats en ligne en Chine ont connu une énorme augmentation à la fois en volume et en valeur pendant les vacances de la fête du printemps. L'agence du règlement automatisé du pays NetsUnion et le géant du paiement par carte UnionPay ont traité une moyenne de 2,63 milliards de transactions en ligne chaque jour du 9 au 17 février, avec une valeur quotidienne d'environ 1 250 milliards de yuans. Selon Ctrip, il y a eu une augmentation de 60% des réservations dans les lieux pittoresques par rapport à la même période en 2019 avant la pandémie. L'Administration nationale de l'immigration a fait état de 13,5 millions de voyages de passagers entrant et sortant pendant la période fériée. Pour ceux qui sont restés à la maison, regarder des films a été un passe-temps populaire. Plus de 8 milliards de yuans ont été engrangés au box-office chinois, établissant ainsi un nouveau record pour la période de la fête du printemps, avec un record de 163 millions de tickets de cinéma vendus.